jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous mélangez la vaseline avec de l'ail, il se passera quelque chose de fantastique. Comment utiliser la vaseline et l'ail, utilisation qui vont vous surprendre. Nous aimerions tous avoir un recours économique et efficace que nous pouvons utiliser dans les soins personnels. Santé, amour et plus, vous invite à découvrir les propriétés de vaseline et les moyens d'ail pour les utiliser, non seulement à des fins esthétiques. Vaseline, croyez-le ou non, est un ingrédient qui est présent sur tous les côtés, comme dans les rouges à lèvres, dans les shampoings, dans les traitements capillaires, dans les crèmes pour le corps, dans les lubrifiants, pour un nombre incalculable dans des produits. Masque de cheveux. Prenant à 2-3 cuillères du vaseline et 3 d'ail écrasé, en fonction de la longueur des cheveux, mélangez avec quelques gouttes d'une huile essentielle, cannelle pour sceller la tige du cheveu, sauge pour la luminosité, et appliquez sur toute la longueur. Utilisez une plastique pour envelopper les cheveux, rincez 1 ou 2 heures plus tard. Rhume et grippe. C'est un médicament populaire et préventif contre le rhume depuis des siècles. Les chercheurs croient que la lysine, principal composant l'ail biologiquement actif, pourrait bloquer certaines enzymes, prévenir les infections bactériennes et virales. Mangez 3 à 4 gousses d'ail par jour, de préférence crues et écrasées. Ajoutez aux soupes, ragoûts, sauces pour pâtes et sauces à salade. Infection de l'oreille. Un remède populaire commun depuis des siècles, pour les otites et l'ail tue efficacement les bactéries qui causent l'infection. Mais il doit être utilisé avec prudence que l'oreille est une zone très sensible, de le faire correctement, nous devons écraser une gousse d'ail et le mettre dans un bol avec une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude, laisser 5 minutes de plus moins, de sorte qu'infusionne. Ensuite, nous le laissons refroidir et mettons quelques gouttes dans le conduit auditif. Restaurer les points brisés. Appliquez la vaseline sur les pointes sèches des cheveux et laissez agir 15 à 20 minutes. Ce produit scelle parfaitement les pointes cassées et dans plusieurs applications, vous remarquerez que l'état de vos cheveux s'améliorera. Enlevez les taupes ou les verrues. Cette méthode est déconseillée et peut causer des lésions cutanées, mais la fonction fonctionne, donc si vous décidez d'essayer, je vous conseille de faire attention et d'isoler la peau de telle sorte que l'ail ne brûle pas, la bande ou la gelée de pétrole autour de jeux d'ail, puis l'ail bien traité afin qu'il soit une pâte et recouverte d'un bandage pendant 4 heures, et 2 ou 3 fois par jour pendant plusieurs jours. La colère s'applique brûlant grain de beauté ou verrue et voir qu'il n'est pas si simple s'il est plus judicieux d'aller avec un professionnel. La vaseline est utilisée par les maisons de commerce pour son faible coût. Nom avec lesquels vous pouvez détecter sur l'étiquette de vos produits vaseline. Paraffium liquidium. Huile minérale. Vaseline. Paraffine per liquidum. Pétrolatum liquide. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et votre famille sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils peuvent aussi aider cette information. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse, prenez soin de vous.